croiser sous ce nom-là, parce que nous avons confirmé quelques nouvelles là. Donc, d'après l'article qui paraît dans la colonne du journal Miami Herald, que nous avons essayé, non seulement fait traduction, mais du coup, et confirmé avec de l'autre confrère, et qui peut-être en contact direct avec Soucio Guerrier. Donc, article ça qui est titré comme ça, pendant la rentrée, la Cali à bord d'un avion, déouté, premier ministre haïtien lui-même, lui subit des pressions de la part des États-Unis pour le capable bail démission au plus vite que possible. N'appli deux premiers paragraphes dans l'article la guerrier, et du coup, n'a pas de monde comprendre qui ça apparaît comme nouvelle dans tout ça. Mardi, premier ministre haïtien Ariel Henry a tenté rentrer la Cali dans un pays qui est en crise pendant le tap sorti dans une mission diplomatique très critique à l'étranger. L'elte recevoir un message en vol du département d'État américain, guerrier. Administration Biden t'a proposé depuis des mois pour Ariel Henry, qui est même au pouvoir depuis l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, et il y a près de 3 ans, pour le mener en transition politique vers des élections démocratiques. Et bien, guerrier, avec Gangyo qui envahit désormais Port-au-Prince, le temps était compté pour Ariel Henry. Alors que Ariel Henry était en plein vol, administration Biden a demandé pour l'accepter un nouveau gouvernement de transition et pour le démissionner purement et simplement. C'est quand même point culminant d'une journée dramatique, ou bien point culminant dramatique d'une journée de réunion à l'urgence qui était faite à Washington. Côté tout responsable d'une administration Biden, eux-mêmes, ils ont évoqué, selon Miami Herald, discrètement perspective de l'effondrement d'Haïti comme scénario cauchemardesque. Eh bien, faut que nous disions, revirement bon côté les États-Unis, selon cet article de Miami Herald. Côté, il a demandé Dr. Ariel Henry lui-même pour le permettre de l'autre gouvernement de transition qui prend bac PIA et du coup démissionner purement et simplement. Miami Heraldi, c'est un revirement que on t'y crasse, mon, hein? Son minorité juive qui était attendu avec lui par rapport avec par rapport avec Maison Blanche qui était toujours renouvelé soutien yo, renouvelé et support yo à docteur Ariel Henry et qui était repoussé souvelé du coup les appels à la démission du docteur Ariel Henry pour ensuite souvelé insister pour déparler dans le moment n'a parlé là dans le moment qui c'est au moment de péril. Deuxième paragraphe là en secret. Ariel Henry était aux États-Unis, on dit mon c'est n'a pas traduire. C'est quand même bien privé qu'un bel essentiel information hein. Weekend ça pour être capable de négocier en retour n'a cité furtif la Kaili avec des diplomates de la République dominicaine en terre voisine. Et bien responsable dominicain yo t'es d'abord envisagé pour arranger pour Ariel lui-même li rivé Saint-Domingue avant même d'y traverser et bien frontière en hélicoptère. Et bien un plan qui a été présenté par responsable États-Unis et bien qui t'apprend quand même rejeté guerrier du seul et tout ça qui était au courant de plan c'est que avion et chanteur Henria yo cité le pas capable d'atterrir directement Port-au-Prince côté gang yo t'est en encerclé aéroport international Toussaint Louverture dans cadre d'une attaque vaste et sans précédent contre les principales institutions du pays. Mais après que Ariel Henry avec délégation l'a fin quitté New Jersey m'a dit Saint-Domingue t'est obligé inverser trajectoire de manière inattendue, yo refusé autorisation et pour te permettre avion à atterrir Saint-Domingue et pour Ariel Henry te prendre hélicoptère pour traverser frontière pour rentrer dans le pays d'Haïti. Et Ariel Henry pas de l'autre choix que faire demi-tour pendant le passer par Porto Rico ou vers yon nombreux pays voisins des Caraïbes dont les dirigeants eux-mêmes faisaient pression pour sa démission. Si ça te fait, il possible pour Ariel en Jamaïque pour le rencontrer des autorités ou bien de haute personnalité au niveau de Jamaïque, mais pas pour dire que le bel garçon peut bien camper, mais plutôt pour dire, mon cher, pas que notre choix que démissionnation. Voilà un extrait de l'article ça qui paraît dans le colonne journal Le Nouvelliste, eh bien qui titrait que les États-Unis, dans le moment où on a parlé là, la Maison Blanche a fait pression sur Ariel Henry pour le démissionner. Né, article qui portait signature Jacqueline Charles, bon l'autre journaliste encore, bam, vérifier très rapidement. Jacqueline Charles avec Michael Wilner. Oui, c'est deux signatures, ça y est, ouais. L'article là, son article qui paraît le mercredi 6 mars 2024, 6h56 du matin.
Ok. Les carottes sont cuites, guerrier. Regardez-moi. Bon, mais c'est article là. Oui, alors. Quoi, article là, les carottes sont cuites. Oui, oui, oui. Article là dit les États-Unis m'ont dit Ariel, baille possibilité pour son autre gouvernement de transition qui organise l'élection. Du coup, m'ont dit le démissionner. Article là dit Ariel Henry a dû aller dans le pays, dans les Caraïbes là. Comme il n'y a pas dit, mais nous avons des possibilités à ces Jamaïques pour aller rencontrer des autorités caribéennes qui ont même déjà fait pression sur l'État pour le garder. Mm-hmm. C'est un article bizarre, c'est vraiment. C'est pas Caraïbes qui dit ça. Nous d'accord, depuis les Ariel Henry prend pouvoir, ou bien depuis les pouvoirs ça dans tête pays, il y en a un plus gros soutien au gain, les États-Unis. D'ailleurs, ouais, moun pren la rue, moun rele a ba, moun di yo bouke, moun rele et pour des missions où est tout officiel américain qui parle sorti dans département d'état pour tomber dans ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, yo tout sous une fois pour sous une autre pour renouveler soutien yo à gouvernement qui là, même si yo prend comme couverture peuple haïtien, si bien que yo te dit comme ça c'est seule élection qui a aidé nous sorti dans ce niveau-là. Donc, sur l'élection, on veut dire que c'est pouvoir ça pour être jusqu'à ce que l'élection organise dans le pays. Donc, il n'y a pas de jamais raté l'occasion pour te montrer soutien indéfectible à Ariel Henry en particulier, à cette équipe gouvernementale d'une façon générale. Donc, il y a des gens qui croient que je dis à Lyon Tijan insensé pour un premier ministre. Donc, Ariel voulait rentrer dans le pays dans une situation qui est difficile. Côté qui a des menaces soulevées sous l'aéroport international qui poussait des lignes aériennes annulées, volio. Nous pensons que le premier support, Dr. Ariel Henry, qui a joué, il a sorti bon côté d'un millionnaire international là, que le coin en Yoa, en particulier les États-Unis. Donc les États-Unis ta doué gon regard, c'est peut-être compréhension nous ka toujours et descendre pantalon nous. Mais nous supposer les États-Unis te ka gon regard sur un monde qui soit disant c'est protégé. Mon regard sur comment l'a déplacé, qui côté lié, est-ce qu'il est en forme, est-ce qu'il mange, est-ce qu'il boit, est-ce qu'il est en sécurité. Par contre, je comprends. Mais automatiquement ou dit ah mon cher nous par contre côté lié. Seul ça nous connaît, il voit agir, voilà. Donc c'est lui-même et qui est capable de dire nous côté lié, etc. Nous senti quelque part, soutien n'a pas lié, c'est soit le pas jamais existé, ou bien il n'est pas là encore. À ce moment-là, je viens de perdre, je me dis, oh, semblait que c'est nos rêves, nous ben nous réveiller. Parce que nous croyons que jou Ariel était en difficulté. Premiers amis, il était qu'à compter sur l'Union internationale et les États-Unis en particulier. Or, les États-Unis, ça n'a pas l'air. Que c'est porte-parole du département d'État qui t'a parlé un peu plus tôt, M. Mathieu Muller, que c'est porte-parole Maison Blanche, John Kirby qui vient parler hier, pas gagné, il y a qui bon une parole qui rassure ou que yo avec Ariel jusqu'au bout et yo voulait accompagner pour faire rentrer dans le pays le plus vite que possible. Alors, John Kirby, porte-parole, Conseil national de sécurité, la Maison Blanche. Ouais. Merci pour la précision, guerrier. Que me déconfonne avant-hier avec M. Muller, qui lui-même c'est porte-parole du département d'État. On a parlé de Mathieu Muller. Merci, guerrier du seul. Qu'on y a là, l'organe tout ça fait hier, yo. Il y a des gens qui ont l'EPM là, pigeon voyageur, gen moun ki di son hôtesse de l'air, gen moun ki di PM n'a viré en rond dans l'espace aérien et PM n'a déterminé faut le rentrer. Moi ouais, gen plusieurs internautes qui posaient question ça sous toile là, qui ça PM n'a a vinn faire en Haïti de si sérieux, vous comprenez, qui fait li obligé veut rentrer à tout prix. Ça t'est arrivé côté lié à il était qu'à poser paisiblement et puis il demandait monsieur Boisvert, prendre des dispositions pour faire gouvernement fonctionner en attendant gagner un calme ou bien conditions réunies pour le venir. Mais l'aime les on tweet métronome
qui parlait d'un ultimatum de 48 heures que PM n'a gagné pour quitter le pays, moun yo me dit ah, faut comprendre PM là. Et nous autres, nous pas de gagner information ultimatum non, ou bien nous pas de gagner elle, mais si ou bien garder dans analyse nous fait hier matin, nous dit soit entre les lignes les déclarations du porte-parole du département d'État américain, ou à comprendre effectivement gon bagay yo mandé PM nan fait. Pour nous retourner sur déclaration qui sa porte-parole la te dit, monsieur Muller te dit carrément yo quoi que yo connaît Ariel Henry a retourné dans pays a et yo pensé que l'important pour le tourner et que l'a besoin d'autorisation pour le tourner. Nous même dans d'ABC comprendre ça que dit puisque son diplomate qui parlait. En général, les diplomates qui parlent, c'est les noms dit pour aller chercher. Nous allons regarder, nous rendons compte que c'est Dieu dit à Ariel, il n'y a pas de choix, il faut qu'il rentre. Mais nous-mêmes, nous n'analysons pas nos étiquettes. Comment ces amis, nous, ou disent qu'il faut rentrer, nous obligés de rentrer, ou disent que l'important pour nous rentrer, et puis, ou pas quand même, même si ce n'est pas nous qui sommes commandés, mais comme ces amis, nous avons proposé. Par contre, vous comprenez? Vous avez proposé un accompagnement qui pour faire une rentrée, pour ne pas contourner ça gain comme problème, comme difficulté, comme menace. Ou dis-moi rentrer, ou dis-moi l'important pour me rentrer. Un, dans le moment ça, vous refusez, on demande que me faut pour mettre un avion militaire à la disposition. Deux, toute ligne aérienne dans le pays où là, décide d'annuler tout vol commercial que vous avez. Trois, un paquet assurance qui couvre les aériennes yo qui dit même un avion qui décide d'aller Haïti dans moment violence ça n'importe ça crivé ou c'est pas yo pas rien après le couvrir pour qui vient faire que même vol privé même avion privé même compagnie privé etc vient réticent qui dit même yo pas voyer avion en Haïti et du coup rete là dans le pays. Par contre, vous comprenez vient on t'y j'ai perdu le par exemple vous dit ou quoi qu'on est que n'a pas retourné il est important pour nous donner il faut que nous jouons l'autorisation pour nous donner premier monde encore une fois n'a pas répété qui te doué camper dans dos Ariel qui te doué accompagner qui te doué dire mon cher n'a pas non venir ou qu'on est l'autre petit monde et puis au calo et pour qu'on ait bon respect pas on gain pour un voisin ou bien pour un voisine dans zone ou tout filer la caille parce qu'on est voisin ça on est voisine ça et lui inspirer respect la caillou donc si c'est lui qui accompagne qui m'a donné main levée pour peut-être qu'on respect etc. et pas on qu'a fait monte yo qu'a soit pas battu encore ou bien soit yo qui te battre la pour l'autre mais quand même yo accompagne yo dit mais non caille pas on donc gars monde qui te gars ah pendant il y a les États-Unis là sur Kenya puisque c'est pas Kenya et pas États-Unis qui était destination elle de voyager c'est pas c'est la passe là pour venir il t'a senti le plus confortable là pour le dire bien les Américains soit accompagner le faire venir ou bien soit mettre en position pour l'en attente peut-être qu'il doit même faire déclaration des déclarations officielles des États-Unis étant par rapport à sa crivia ou bien tout être prendre disposition pour demain elle venir nous dit pour le venir nous dit l'important pour le venir nous dit faut que les gens autorisation pour le venir et parallèlement tout moyen pour le venir qui concerne les pays noirs, ils ont tout fermé, vous voulez. Fermé. Il va qu'à venir à pied. Il va qu'à venir à pied, il va qu'à voler l'ougaou. Nous supposons, pas le niveau et malfecté PM. Non, même supposé, il va qu'à voler l'ougaou tout. Il pas l'ougaou. Il va l'ougaou. Depuis qu'il est dit, depuis grand, il connaît. Donc pour nous autres, nous venons sentir des gros bagailles. Sous prendre déclaration citoyen département d'État. Ou prendre déclaration citoyen ça qui s'est conseillé, qui ça même dans Maison Blanche là. Parole Conseil National Sécurité dans la Maison Blanche. Ok. Sous garder ou bien, sous analyser ou bon, sous soumettre ou bien des monde qui puis aviser dans l'analyse discours ou absenti un, yo pas trop comme si solidariser avec Ariel dans sa capacité. Bon, là, m'di yo les États-Unis, pas deux monde yo en particulier, on marron vous comprendre. Pays a, puisque c'est parole gouvernement américain, c'est parole États-Unis yo porté. Mais de tout, ou pas senti qu'aucun effort yo fait les États-Unis toujours pour aider Ariel sortir dans
ça lié à la guerre. Nous même nous croyons que pendant la réalité États-Unis, il y a des possibilités pour faire sortir honorable. Nous croyons que pendant la réalité États-Unis, il y a des possibilités pour te sortir par la grande porte. Johnny Ferdinand, à la place du docteur Ariel Henry, si moi même pays à vrai, si m'te animé d'une bonne volonté pour m'bay pays en coup de main et que m'te arrivé dans pouvoir dans circonstance on te connaît yo. Blanc te campé d'aim, blanc te dit l'a supporter, mais les États-Unis te dit l'a supporter. Si je dis à m'vin en difficulté, côté m'doué rentrer dans pays à et que moi dit les États-Unis comme plus gros allié que m'te raconter sous lui comme plus gros supporter. Mais ça m'a besoin pour l'accompagner et que yo refuse m'ni et puis yo dit faut que m'aller ou bien yo vle pour m'aller il faut me tout comprendre que yo pas vle encore n'dap dit bien comme nous mande m'aller et que situation difficile pour moi m'te compter sur nous pour nous aider m'aller nous pas vle m'aller n'tap tout simplement dit yo pour faciliter ba yo moi mettre démission. Je me dis qu'il tape trop facile. Par contre, si vous avez accepté, par contre, si vous n'avez pas accepté, mais vous me libérez conscience. Parce que du moment que je rentre dans le forcing, pour moi-même, c'est forcing. Et de fait, où est-ce que ça passe? Je dis à Ariel, prends un avion sur New Jersey. Sur New Jersey, l'aller Saint-Domingue. D'aller visiter Saint-Domingue, il vire tout le monde par atterri. Il retourne Porto Rico. De Porto Rico, il prend l'île, il escorte l'aéroport là. Yo dit mon cher chercher côté Bitcoin, pas gen moun ki konnen s'il tourner États-Unis, pas gen moun ki konnen tout s'il rete dans l'air, s'il sous la mer, etc. Delta d'Oel Jamaïque. Est-ce qu'on est obligé fait nous avons même comme chef? Pas problème, pas problème. Par contre, vous comprenez? Prenons toute littérature ça. Et c'est tout ça yo qui fait venir comprendre que ce ultimatum li capable vrai ça me bavle remettre en question le tweet de métronome. Li capable vrai parce qu'on senti bon véritable course contre la montre, effectivement, Ariel Vlevini à tout prix, c'est comme si avant l'ultimatum dans lui-même, il rivait à échéance. Comme quoi, on dit, sous pas dégage, rivé dans le pays, dans tel là, donné au capable de changer et nous avons décidé sous sort qu'on y a. Moi-même, personnellement, je doutais fort que le président dominicain, les autorités dominicaines y ont décidé sans au moins un coup de fil des États-Unis d'Amérique. Il y a droit à ça. Même d'où t'es fort. Oui, oui. Dominicani, son pays souverain, il y a un appel à décider. C'est nous-mêmes qui restons avec. Oui. Ça n'a pas fait fondement des conseils. Mais ça n'a pas empêché que vous ayez un droit, ouais, mon cher, et Gonjan, ou Yvan Tanyo, soit un point. Les États-Unis et la République dominicaine par rapport à la question d'Haïti. Pas grand yon djou que Louis Abinadel pas recevoir un coup de fil. Pas grand yon djou et autorité affaires étrangères en République dominicaine pas recevoir un coup de fil de homologue dans le département d'État. Pas grand yon djou ça. C'est garder n'a garder enchaînement ou bien cohérence qui gagne dans la décision qui prend au niveau des États-Unis, dans sa cap dit au niveau des États-Unis et dans la décision qui prend au niveau de la République voisine. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une simple coïncidence ou bien est-ce que effectivement un rapport très serré entre ça américain ou décide ça dominicain ou décidé nous pas connait mais nous still a poser question peut-être l'avenir on va venir avec des éléments de réponse pour nos guerriers de seul. Encore une fois nous autres depuis les autres refusé Ariel Henry avion militaire là nous croyons que l'idée de profiter de ça pour sortir grand. Pour sortir grand. Ouais, moi, je suis tout le monde là, c'est l'autre droit. Faire vous, et tirer ces c'est battant clan de l'Obouli. Ou au courant que Ariel y a madame ni petit? Ou au courant? Oui. Alors, oui. Non, est-ce qu'au courant, même pas au courant, non? Pas au courant, pas, ça pas trop intéressé la République, tellement qu'il voulait, mais en réalité, il a dû intéresser lui. C'est premier chef, non? Mais, malheureusement, Ariel décide de foncer guerrier. Mais, faut d'accord, dans la vie, tout choix fait, la bien conséquence. Qui sa conséquence yo à pied ou bien qui sa conséquence yo kaye, nous pas connaît. Maintenant, il y a des informations qui fait quoi que
le premier ministre t'a doué aller Jamaïque s'il va rentrer en Jamaïque déjà. Maintenant pour faire qui ça? Ça sont questions nous poser puisque nous aimons poser questions nous-mêmes. Comme nous connaît CARICOM te gon rencontre il te doué fait avec protagoniste sur la crise là pendant même période ça mais à cause violence qui a été reporté rencontre là. Si Ariel lui-même qui a possibilité de le traverser Jamaïque pas grand rien que Joe, il pas tout profiter rencontrer mais pas rencontrer peut-être pour rassurer l'on fois ça ça c'est lecture pas nous il est capable rencontrer le double bal dernière directive yo. Les États-Unis doivent avoir directement dit attendez non donc là et n'après ouais bah yo même gens les rencontre Kingston là nous songer madame vice-présidente là et secrétaire d'état américain et voyager dans les Bahamas après ça yo passé directive yo rencontre là le fait Kingston gien droit ou gien nouvelle directive qui passé là et puis on fait Ariel Chita avec les trois premiers ministres trois anciens premiers ministres et caribéens qui étaient constitué et les éminentes personnalités de la CARICOM yo Chita avec yo bal dernière directive yo et après ça yo bien rentré dans pays maintenant est-ce que Ariel a rentré comme un chef qui vient plus fort que jamais ou bien est-ce que la rentrer comme on simple civil même Jacques nous ne sommes pas encore là. La question fondamentale, le départ du docteur Ariel Henry est-il imminent ou bien une démission du docteur Ariel Henry est-elle imminente? Est-ce que nous capable espérer dans les 24 heures qui suivent dans les prochaines heures à une éventuelle démission du docteur? Nous pas connaît nous pour là mais seul ça nous doit retenir le conseil ou bien les membres du conseil de sécurité des Nations Unies t'a dû réunir en toute urgence après-midi à sous demande Équateur avec les États-Unis et attention réunion c'est à huis clos